Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette célébration, à ce culte régional Terre Nouvelle. Aujourd'hui, ce n'est ni Gabriel, ni Michel, ni moi-même qui allons célébrer. Vous allez vous laisser conduire par la pasteur Marie Sénèque. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Marie Sénèque, en fait, est une théologienne. Elle est autrice de nombreux ouvrages, dont le dernier s'intitule « L'insolence de la parole ». Et elle est surtout, aujourd'hui, pasteur, mais surtout animatrice cantonale, en fait, de Terre Nouvelle. Elle sera accompagnée aujourd'hui de Myriam Croza, qui est aussi théologienne, qui remplace actuellement dans la région Marie-Laure Jacubec. Elle-même, enfin, Marie-Laure est en temps sabbatique, donc du coup, c'est Myriam que vous verrez souvent, en fait, à mon avis, durant ces prochains mois avec nous. Ainsi, avec l'équipe régionale de Terre Nouvelle et avec l'organiste du jour, Damien Desbenois, nous allons vivre cette célébration, nous allons écouter la parole, nous allons fredonner, si c'est possible, et en même temps faire communauté ensemble. Bienvenue à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de venir en ces lieux. Soyez la bienvenue. Sentez-vous comme chez vous. Nous sommes en région, nous sommes église, nous sommes la famille de Dieu. Thank you.
Merci. Merci de m'accueillir ce matin parmi vous. Je suis heureuse de revoir des visages connus et amis ce matin. Je suis donc aujourd'hui présente en tant qu'animatrice Terre Nouvelle pour un culte sur le thème de la campagne écuménique de Carême qui est cette année « Justice climatique, maintenant ». Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais maintenant, c'est au nom du Dieu de Jésus-Christ que je vous souhaite la bienvenue pour cette heure que nous allons passer ensemble. J'espère que vous vous sentirez comme chez vous dans ce temple, que vous soyez des habitués ou pas. Alors bienvenue à vous, paroissiens, paroissiennes de la région Arvélac. Bienvenue à vous qui n'habitez pas la région Arvélac, mais qui avez fait le chemin ce matin jusqu'ici. Et puis bienvenue aussi à vous tous qui nous suivez sur Zoom. Et que vous soyez chez vous ou ici, je vous invite maintenant à prendre le temps d'un moment de silence et de recueillement. Voici venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant, pour accueillir la nouveauté. Voici venu le temps du silence qui désencombre nos journées de l'inutile, du superflu, loin des sécurités toutes faites. Voici venu le temps de la prière qui fait taire notre imagination, qui stoppe les courses folles où nous sommes embarqués. Voici venu le temps d'un dialogue avec celui qui est, qui était et qui vient. Dieu nous donne rendez-vous pour un instant de vérité. Il nous donne sa grâce et sa paix. Amen. Alors ce matin, on a décidé de ne pas mettre de chant, simplement de la musique. Par contre, nous avions envie que vous puissiez quand même prendre la parole et vous exprimer. Et comme on a le droit de parler, eh bien je vous invite à dire tous ensemble, à l'unisson, la louange que vous trouverez dans votre feuillet. Et pour cela, vous pouvez vous lever. Silence, psaume et chant, pour toi en qui nous croyons. Tu écoutes les prières et les supplications de tout être qui se présente devant toi. Quel bonheur est le nôtre quand tu nous invites et que tu nous reçois. Nous nous émerveillons des trésors de cette planète, notre maison, ton temple saint. À notre émerveillement, tu réponds, toi qui nous sauves, par plus de merveilles encore, ineffables sur la terre et dans les mers. Toi qui as fait se dresser les montagnes, qui les as ceintes de force, tu calmes les fracas des mers, le vacarme des vagues, tout autant que les grondements des peuples de la terre. Les quatre coins du monde, on s'émerveille de tes signes, alors que tu fais chanter les terres de l'est et de l'ouest, du nord et du sud. Tu as visité notre terre, tu l'as abreuvée, tu la combles de richesses. Tes rivières regorgent d'eau, tu prépares les moissons pour les humains. Voici comment tu prépares la terre. Champs trempés, sillons égalisés, pluie douce, tu bénis ce qui pousse. Tu couronnes nos années de bienfaits. Là où tu passes, ruisselle l'abondance.
Les prés des déserts débordent, tu entoures les collines de joie, les prés se couvrent de troupeaux et les vallées débordent de moissons. Tout crie de joie, tout chante. Prenons le temps ce matin de nous présenter devant Dieu tels que nous sommes et recueillons-nous dans la prière. Notre Père, nous invoquons ta présence, mais il est vrai qu'en nous sont des résistances, les débris de vieilles luttes que nous croyons disparues, mais qui ressurgissent encore. Il y a aussi les traces d'anciennes peurs. Notre Père, aide-nous à en débarrasser nos vies, afin que la place soit libre pour toi. Vois aussi les anciennes rancunes, ressentiments d'autrefois et amertume, enfouis et déjà pardonnés, mais qui pèse pourtant. Nous t'en prions. Redonne-nous un cœur pur et droit, afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver ta présence d'amour dans nos vies. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de grâce. Approchez-vous de Dieu comme d'un soleil rayonnant. Il éclaire, il réchauffe, il donne la vie. Quant à lui, il s'approche de vous comme il s'approche de la terre. Et votre cœur deviendra bientôt le plus beau des printemps. Amen.
Nous lisons aujourd'hui le psaume 104. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de splendeur et d'éclat. Drapé de lumière comme d'un manteau, tu déploies les cieux comme une tenture. Il étage ses demeures au-dessus des eaux, des nuages il fait son char, il marche sur les ailes du vent. Des vents il fait ses messagers, et des flammes ses ministres. Il a fondé la terre sur ses bases, elle est à tout jamais inébranlable. Tu l'as couverte de l'océan comme d'un habit. Les eaux restaient sur les montagnes. À ta menace, elles ont fui, affolées par des coups de tonnerre. Escaladant les montagnes, descendant les vallées, vers le lieu que tu leur avais fixé. Tu leur as imposé une limite à ne pas franchir. Elles ne reviendront plus couvrir la terre. Il envoie les eaux des sources dans les ravins. Elle s'en va entre les montagnes. Elle abreuve toutes les bêtes des champs, les ânes sauvages étanchent leur soif. Près d'elle s'abritent les oiseaux du ciel qui chantent dans le feuillage. Depuis ses demeures, il abreuve les montagnes. La terre se rassasie du fruit de ton travail. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, les plantes que cultive l'homme, tirant son pain de la terre. Le vin réjouit le cœur des humains, en faisant briller les visages plus que l'huile. Le pain réconforte le cœur des humains. Les arbres du Seigneur se rassasient et les cèdres du liman qu'il a planté. C'est là que nichent les oiseaux, la cigogne a son logis dans le jeune évrier. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour fixer les fêtes, et le soleil qui sait l'heure de son coucher. Tu poses les ténèbres, et c'est la nuit où remuent toutes les bêtes des bois. Les lions rugissent après leur poids, et réclament à Dieu leur nourriture. Au lever du soleil, ils se retirent, se couchent dans leur tanière. Et l'homme s'en va à son travail, à ses cultures jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes créatures. Voici la mer, grande et vaste de tous côtés, où remuent innombrables des animaux petits et grands. Là vont et viennent les bateaux et le Léviathan que tu as formé pour jouer avec lui. Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils ramassent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur reprends le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la surface du sol. Que la gloire du Seigneur dure toujours, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elle fume. Toute ma vie, je chanterai le Seigneur. Le reste de mes jours, je jouerai pour mon Dieu. Que mon poème lui soit agréable et que le Seigneur fasse ma joie. Que les pécheurs disparaissent de la terre. Justice climatique maintenant. Je vous le disais, c'est le titre de la campagne écuménique de Carême de cette année. Justice climatique maintenant,
avec un point d'exclamation qui renforce le sentiment d'urgence. Un point d'exclamation qui traduit également la détermination et la militance qui sous-tendent les actions de Pain pour le prochain et d'Action de Carême. Urgence et militance. Difficile d'y échapper dès lors que l'on s'intéresse un peu à la crise climatique. Parce que oui, il y a urgence. Et oui, une militance en parole et en acte est nécessaire pour répondre à cette urgence. Il y a urgence car nous savons bien que notre planète se détériore. Il suffit d'évoquer le fait que la température de la Terre ne cesse d'augmenter et que le nombre d'espèces d'animaux ne cesse de diminuer, témoignant de l'effondrement de la biodiversité. Ouvrir les yeux sur la situation actuelle ne peut que nous mettre sous pression, provoquer ce que l'on nomme de l'éco-anxiété. Et il y a urgence pour notre planète, mais également pour nous, les humains. Si notre habitat commun est touché, eh bien, nous le sommes aussi. Et en particulier, les habitants des pays qui contribuent le moins au réchauffement climatique. Et c'est ce pourquoi nous nous mobilisons en ce moment à Terre Nouvelle. Pour ne pas oublier les personnes dont le mode de vie est déjà péjoré par le réchauffement climatique. Celles qui ne peuvent plus s'alimenter comme avant, car leurs récoltes de riz sont touchées, parce que leurs pêches sont moins abondantes qu'avant. Parce que vivant près d'une côte, l'augmentation du niveau de la mer menace leur habitat. Sans parler d'une météo de plus en plus invivable. Parfois, nous nous plaignons des caprices de la météo à Genève. Mais aux Philippines, les typhons, accompagnés de pluies torrentielles, alternent avec des périodes de sécheresse prolongées à des intervalles de plus en plus rapprochés. Face à cette injustice climatique, Action de Carême et Pain pour le prochain, je les cite, exige de ceux qui contribuent le plus au changement climatique qu'ils assument leurs responsabilités. Mais que faire? Quoi faire? Comment agir face à cette situation? Que faire du sentiment d'impuissance qui peut nous étreindre face à tant de dégâts? Alors, lors des annonces, nous vous donnerons quelques pistes. Et sur votre feuillet, comme sur le site de la campagne Voir et Agir, eh bien vous trouverez beaucoup d'idées pour passer à l'action individuellement et collectivement. Mais maintenant, pendant le temps que durera cette prédication, je vous invite à faire baisser la pression et à nous extraire un petit moment de ce sentiment d'urgence. Pour que nous puissions sortir de ce temple fortifié et ressourcé, je vous invite à faire une pause bienfaisante, à faire une escale, et je vous invite à faire escale dans le monde poétique du psaume 104 que nous venons d'entendre. Je vous convie à une escale pour que nous puissions nous ouvrir ensemble à la beauté et au souffle de la création. Une escale pour que nous puissions nous ouvrir à la louange et pour que nous puissions continuer à oser la joie, même au cœur du tragique de l'existence. Alors, vous l'avez entendu, le psaume 104 est très poétique, il est presque lyrique. Il a été écrit en hommage au Dieu créateur qui est décrit dans toute sa majesté lumineuse. Et ce psaume, témoin de la cosmologie hébraïque, nous parle également du ciel, de la terre, puis de la mer. La nature s'y révèle dans sa grandeur, dans sa force tumultueuse et dans toute sa beauté. Et par la lecture ou par la prière de ce psaume, nous sommes invités à ouvrir notre regard et à reprendre souffle au tempo de la création. Alors vous le savez, quand nous ouvrons notre Bible, ses premières pages, ses premiers mots nous mettent d'emblée en contact avec Dieu créateur, Dieu comme créateur.
Mais ces récits de la création sont souvent très critiqués dans la mesure où ils sont trop anthropocentriques. Et en effet, selon une interprétation courante de ces textes de la Genèse, eh bien, ces textes présenteraient l'être humain comme le couronnement de la création. On a beaucoup entendu ça. Au début de la Genèse, l'être humain est le couronnement de la création. Mais ceci a poussé beaucoup d'entre nous à croire qu'ils étaient les rois de la création, régnant sur toutes les autres créatures. Et c'est donc des récits qui peuvent déranger les écologistes et surtout les antispécistes. Dans le psaume 104, par contre, il n'y a aucune trace de spécisme. Les êtres humains sont des créatures parmi les créatures. Et vous l'avez entendu dans ce psaume, les animaux grouillent de partout, ânes, oiseaux, lions, bouquetins, et les humains cohabitent avec eux dans un même espace. Et la seule chose qui différencie les humains du reste des vivants, dans le psaume 104, c'est le dernier verset qui, vous l'avez entendu, parle des pécheurs. Donc après cette ode à Dieu et à la beauté de la création, on finit ainsi « Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les infidèles n'existent plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, alléluia. » Bon. Je vous avoue que j'ai été tentée de dire à Myriam de s'arrêter en fait au verset 34. Parce que ces paroles bibliques qui excluent une catégorie d'êtres humains dérangent toujours. Le péché ne concerne-t-il pas tout être humain, toute personne? Qui peut dire qu'il ou qu'elle est toujours fidèle à Dieu? Alors j'interpréterai ce verset aujourd'hui comme ayant simplement une fonction de rappel pour chacune et chacun de nous. Ce dernier verset nous rappelle qu'au cœur de cette magnifique création, le mystère du mal existe bel et bien. Et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et aujourd'hui, face à la destructivité à l'œuvre au sein de la nature, au nom de profits et d'intérêts égoïstes, on se rend bien compte que la puissance de ce mal n'a jamais été extirpée du cœur de l'être humain. Et c'est bien cela aussi qui est mis en récit au début de la Genèse, quand juste après la création, le premier couple dévie. C'est comme si, au commencement, dans la matière première du monde, il fallait composer avec ce mystère du mal capable de ternir notre relation à Dieu, à l'autre et à tous les vivants. Mais retenons tout de même qu'un seul verset en parle dans le psaume 104. Un seul verset. Tout le reste du texte nous rappelle la puissance de vie qui est à l'œuvre en nous et au sein de la création. Et je pense qu'il nous appartient de nous y accrocher, de nous accrocher à cette puissance de vie, de choisir la vie, de nous tourner vers elle et non pas vers ce qui est mortifère pour nous et pour les autres. Il nous appartient de nous accrocher à la conscience et à l'expérience de la puissance de vie vibrante sur notre planète et dans le cosmos. Les versets 29-30 nous permettent de prendre conscience justement de cette respiration du monde qui accorde son tempo à celui de Dieu. Je vous relis ces versets. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur reprends le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la surface du sol. Ici, le souffle est la rouare de Dieu qui anime les vivants. Et si elle se retire, ils expirent. On voit ici que tout être respirant est dans une totale dépendance à Dieu, parce que la source de la vie est en lui. Moi, je trouve très beau de se rappeler que nous ne sommes pas la source de nous-mêmes et que la vie est un don permanent. Nous sommes accordés au battement de cœur de la création. Et il est beau de se rappeler que nous partageons un même souffle avec l'ensemble des vivants et que nous participons
à la grande respiration divine. Dépendant de Dieu et interdépendant, c'est ce que nous sommes. La pulsation vitale qui nous habite est une pulsation de relation aux autres et à toute la création. Et quand la prière nous ouvre à cette dimension, alors nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls, nous sommes toujours en lien. Alors après cette escale qui nous a permis de nous ouvrir à la beauté et au souffle de la création, je vous invite à poursuivre avec la louange et la joie. Ce n'est pas vraiment une prédication de carême, je l'avoue, mais j'avais envie ce matin de nous réancrer dans des choses positives pour justement vivre un carême lucide. Parce que c'est très difficile d'être lucide et de perdre ses illusions s'il n'y a pas une part de nous-mêmes qui sait rester dans la joie. Alors la louange. Vous l'avez entendu, le psaume 104 commence par ces mots. « Bénis le Seigneur, ô mon âme !» Et il finit ainsi « Bénis le Seigneur, ô mon âme !» Alléluia. Ce psaume est une invitation à la gratitude et à la reconnaissance pour le Dieu qui offre ses dons à ses créatures, comme il est écrit au verset 27-28. Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils ramassent, tu ouvres ta main, ils se rassasient. Malheureusement, nous vivons un temps de crise. Les dons de Dieu ne sont pas partagés équitablement. La planète est enlaidie. Une ombre morbide plane sur elle. Il y a trop d'écosystèmes saccagés, d'hommes et de femmes délogés de leur lieu de vie à cause de la surexploitation de notre planète. Il y a encore toujours trop de famines et ce scandale se poursuit. Franchement, parfois, il y a de quoi avoir le souffle coupé sur notre terre asphyxiée. C'est pourquoi il est si important de prendre le temps, de se réaccorder au souffle de Dieu, de prendre le temps de retrouver de l'énergie pour pouvoir repartir au combat et continuer à se battre pour un monde plus juste. Et je pense qu'il est très important pour nous, il est très important pour celles et ceux qui sont privilégiés d'être capables de se réjouir de ce qu'ils ont. On se plaint si souvent de ce qu'on n'a pas. Il manque ça, j'ai pas ça. Mais, et si, dans les jours qui venaient, nous prenions le temps de nous réjouir d'avoir de quoi manger chaque jour? Et je vous inviterai à cet exercice spirituel toute cette semaine. À chaque fois que vous mangerez, de vous dire, mais quelle chance j'ai de pouvoir manger à ma faim. Et si jamais ce n'est pas le cas, venez nous voir. Non, mais c'est... Et nous partagerons. Parce que je pense que, voilà, plus nous prenions conscience du don que nous avons, plus nous avons envie de partager ce don ou ces dons que Dieu nous donne. Encore un extrait du psaume 104. « Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, les plantes que cultive l'homme, tirant son pain de la terre. Le vin réjouit le cœur des humains, en faisant briller les visages plus que l'huile. Le pain réconforte le cœur des humains. » Et voyez ces versets, voilà, nous encouragent à retrouver cette joie fondamentale et si simple, hein, de pouvoir avoir accès à cette nourriture. Chaque jour. La nourriture, c'est notre pain, c'est ce que nous avons dans notre assiette, c'est peut-être le verre de vin que vous pourrez boire à midi, mais la nourriture, c'est aussi ce qui nous est donné de vivre dans tous les domaines de notre vie. Et j'aimerais maintenant que nous prenions le temps de réfléchir à ce qui nous est donné de vivre en communauté. Alors, on ne va pas se congratuler parmi, mais on pourrait le faire. Vraiment. Parce que j'ai été absolument stupéfaite de réaliser le nombre de richesses et d'initiatives qui émergent dans vos paroisses. C'est absolument incroyable.
Alors personnellement, moi, depuis une paroisse voisine, puisque vous savez que je travaille depuis quelques années à Malagnoux, j'avais pu prendre la mesure du bel héritage de Lucas Vischer dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement. Lucas Vischer, ce théologien qui a beaucoup œuvré, surtout dans le monde écuménique, pour l'environnement. Et puis, j'ai pu apprécier l'engagement de son épouse et de toutes celles et ceux qui ont été actifs à ses côtés et qui sont encore hyper actifs à Malagnoux. Et dès que je parle d'écologie, je peux compter sur ce petit groupe de militants. Alors, j'étais très, très fière de ma paroisse en me disant, alors, à Malagnoux, on défend l'environnement et l'écologie. Mais en m'intéressant à la paroisse de Chênes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est aujourd'hui l'épicentre de la théologie verte. C'est Chênes, en fait, qui est la paroisse peut-être la plus verte, la paroisse d'une théologie qui est aussi mise en action. Alors, je vais vous parler de ce qui se fait ici et aussi dans toute la région. Conscient de l'importance des questions écologiques, vous le savez peut-être, un groupe de réflexion a écrit un texte très pertinent intitulé « Charte de justice climatique, déclaration et engagement sur le thème de la justice climatique et le respect de la biosphère ». Vous en trouverez quelques exemplaires à la sortie, si ça vous intéresse. Et il a été publié en 2015 aux éditions Arvelac. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait des éditions dans la région. Et on ne peut avoir que de la gratitude pour ce travail théologique et intellectuel de grande qualité. Mais la gratitude ne s'arrête pas là. On peut en avoir également pour des actions collectives, comme les potagers installés dans toutes les paroisses. Il y a des bacs dans toutes vos paroisses. Il y a des légumes qui poussent apparemment, hein. Des fruits aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des potagers dans toutes vos paroisses. Et puis ici même, il y a un projet qui est en train d'émerger, celui d'un jardin d'Éden. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pourrez demander à la sortie. Gratitude aussi pour les membres du groupe qui, dans la paroisse de Chênes, se mobilisent pour une certification coq vert, dont Jacques Mathé vous parlera tout à l'heure. Gratitude pour ces personnes qui soignent les liens avec la paroisse de Chambéry pour se soutenir fraternellement dans le verdissement de leur communauté. Gratitude aussi pour les responsables Terre Nouvelle qui œuvrent dans toute la région Arvelac avec détermination et cœur depuis des années et des années. Merci à vous. Gratitude pour les chemins de méditation qui ont pu être initiés à Asnières par Anne-Christine Menu-Lecourt. Gratitude pour ce que j'ai pu entendre de la part de beaucoup d'entre vous, pour les initiatives personnelles, pour les éco-gestes, pour vos changements d'habitudes quotidiennes afin de réduire votre empreinte écologique. Et puis, il est beau également d'entendre que dans les paroisses de campagne, le lien à la terre et à la nature ne se perd pas, mais qu'il est encore bien présent, telle une évidence bienfaisante. Bon, je ne vais pas continuer parce que, en fait, je crois que je ne suis pas au courant de tout, mais je crois que je pourrais encore citer beaucoup de personnes exemplaires dans leur engagement parmi vous. Alors, j'espère ce matin que vous avez conscience que vous êtes digne de louange pour ce que vous faites. Alors oui, il reste beaucoup, beaucoup à faire pour le respect de nos écosystèmes et pour plus de justice dans notre monde. Mais prenez le temps de goûter maintenant au fait que dans vos paroisses, tout est là. Tout est là. Vous avez toutes les ressources. Votre biosphère paroissiale est riche. Vos biosphères paroissiales sont riches dans la région Arvelac. Et si cette dynamique vertueuse a été ralentie par le Covid, elle reste bien présente. Alors les jours de fatigue, n'oubliez pas de vous réancrer dans la gratitude pour vos paroisses. Et restez le plus possible dans l'esprit de la louange. Vous savez ce qui m'a touchée en lisant cette charte ? Parce que je crois que ça relève d'une fine intelligence spirituelle, c'est qu'elle est scandée par des versets bibliques. Et à côté, c'est écrit « louange ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de fort, parce que c'est une lecture vraiment exigeante, c'est une charte exigeante. Elle encourage à des renoncements, elle encourage à des choix courageux. Mais ce n'est pas à la plainte face à l'effroi de tous les renoncements auxquels nous devons faire face, hein,
qui va rythmer cette charte, qui rythme cette charte, mais c'est la louange qui rythme cette charte. Et je me suis dit, c'est ainsi que tout changement devrait être vécu dans nos vies, comme dans l'Église, dans une dynamique positive. Ainsi, les obstacles ne sont pas niés, mais ces obstacles sont comme transcendés par le sentiment d'accomplir ensemble quelque chose qui nous semble juste et vertueux. Et cette charte est émaillée de versets bibliques. Et dans le chapitre « Responsabilité envers le prochain », eh bien, il y a beaucoup de passages bibliques, évidemment, qui parlent de l'amour, comme 1 Corinthiens 13, et on retrouve également le fameux « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé », ce verset de l'Évangile de Jean. Et je crois que c'est le ressort intime qui permet de s'engager pour la justice climatique, c'est l'amour. C'est l'amour qui est capable d'aller au-delà du visible et de voir ce qui n'est pas là sous nos yeux. C'est-à-dire de prendre conscience des populations que nous ne voyons pas, mais qui existent et qui parfois se donnent à voir sur nos écrans. Ces populations dont je vous parlais au début du culte. Qu'est-ce que c'est un regard d'amour? Eh bien, je crois qu'un regard d'amour, c'est un regard élargi, comme on parle de l'élargissement de la conscience. Il est si important d'élargir notre regard à toutes les personnes qui peuplent la création au nom de l'universalité du message de l'Évangile. Et je crois que l'amour est le levier qui pourra nous permettre d'initier un tel changement de regard, un tel changement aussi dans nos pensées, dans nos actions. Seul l'amour peut nous permettre de trouver le courage d'assumer une responsabilité partagée, d'assumer que nos choix de consommation et nos manières de vivre ont des répercussions sur d'autres populations. Vous l'avez compris, l'idée n'est surtout pas de sombrer dans la culpabilité, mais bien par amour pour les autres et pour la création, de sortir ensemble de ce terrible cercle vicieux dans lequel nous sommes pris, pour enfin inverser la tendance et nous inscrire dans une dynamique vertueuse et joyeuse. Et pour finir, j'avais envie de vous lire un dernier verset du psaume 104. Le Léviathan, vous savez, dans la Bible, est une figure monstrueuse et menaçante, et il a même pu être vu comme quelque chose de satanique, ce Léviathan. Mais dans le psaume 104, ce monstre marin est le partenaire de jeu de Dieu. Voici la mer, grande et vaste de tous côtés, où remuent innombrables des animaux petits et grands. Là vont et viennent les bateaux et le Léviathan que tu as formé pour jouer avec lui. Bien voyez-vous, il y a dans le psaume 104 quelque chose de ludique et de joyeux dans le rapport de Dieu à sa création. Et j'avais envie de vous inviter à retrouver cette joie en vous. Et je pense qu'il est très important dans le climat actuel de veiller sur cette joie. Vous savez, la joie qui naît au contact du brin d'herbe qui vous chatouille, ou de l'insecte qui danse autour de nous, ou de la fourmi qui a décidé de faire l'ascension de votre jambe ou de votre main, ou alors, vous savez, le rayon de soleil qui joue à cache-cache avec nous et qui s'amuse à nous éblouir, ou encore le chien ou le chat qui arrive et qui nous cherche pour jouer. Alors je vous invite vraiment à retrouver cette joie enfantine et ce rapport ludique à la nature dans ses couleurs chatoyantes et sa générosité printanière. Parce que je pense qu'en goûtant ainsi à la joie d'être une créature parmi d'autres dans la nature, il nous sera plus facile de répondre à l'urgence actuelle de plus de justice et de solidarité au cœur de notre monde. Amen.
Et j'invite maintenant les représentants de Terre Nouvelle à venir auprès de moi pour la prière d'intercession. Seigneur, nous faisons tous partie du monde que tu as créé et nous ne voulons faire qu'un avec ta création. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans l'urgence. Les changements climatiques auxquels nous assistons tous les jours et partout dans le monde sont le signe que nous devons agir et changer nos habitudes. Dieu créateur, nous te prions. Donne-nous la sagesse afin que nous apprenions à consommer, manger, voyager, vivre de manière responsable. Pendant trop longtemps, nous avons pensé que tout nous était dû et que nous pouvions user de nos ressources comme si elles étaient inépuisables. Dieu créateur, nous te prions. Donne-nous la force d'agir, chacun de notre côté et tous ensemble, pour notre planète. Chaque petit geste compte, comme chaque goutte d'eau compte pour former un océan. Dieu créateur, nous te prions. Donne à nos dirigeants le courage de prendre les décisions justes pour l'environnement et pour tous les hommes. Fais-leur voir qu'il y a plus important que l'argent et le profit et que des vies sont en jeu. Aujourd'hui, nous témoignons tous ensemble que la seule ressource inépuisable dont nous disposons est la force, le courage et la sagesse que l'Esprit Saint insuffle en chacun de nous. Nous te prions pour ceux qui sont chassés de chez eux par les dérèglements climatiques. Nous te prions pour ceux qui ont faim et pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous te prions pour ceux qui souffrent et qui n'ont pas toujours accès aux soins. Et pour mieux les exprimer notre sentiment, entends la prière que Jésus, ton Fils, nous a enseignée. Notre Père, et j'invite Jacques Mathé maintenant à nous parler un petit peu de la charte et beaucoup de coq vert et peut-être d'autres choses encore. Donc Jacques Mathé, qui est un théologien et paroissien de Chênes que vous connaissez bien, j'imagine. Merci Marie, bonjour. Alors, on a convenu avec Marie que je parlais juste une ou deux choses, parce que tu as déjà dit beaucoup ou presque tout. Qu'est-ce qu'on peut faire en communauté avec les moyens que nous avons ici, dans nos paroisses, pour diminuer notre impact sur l'environnement? Il existe, développé dans le cadre des églises de Suisse, maintenant deux voies, deux outils à notre disposition. Et l'un comme l'autre sont soutenus par Pain pour le prochain et Action de Carême. Je vais brièvement les évoquer, simplement pour que vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut faire. Évidemment, on peut bricoler un peu dans son coin. Mais on a là des outils à disposition qui nous permettent de le faire sur une certaine durée et avec une certaine systématique. Le premier s'appelle Éco-Église, et Marie en est une ambassadrice, comme on dit, qui est tout récent. Ça n'existait pas il y a une année. Ça nous vient d'Angleterre par la France. En fait, il s'agit d'une page Internet sur laquelle on trouve des ressources et sur laquelle il y a un questionnaire. Si on s'inscrit, puis on doit payer parce qu'évidemment le tout, ça coûte quelque chose, on peut, sur tous les domaines de la vie de l'Église, ça va des cultes jusqu'au jardin, en passant par les bâtiments, les transports, l'utilisation de papier et les déchets,
et bien d'autres choses. On répond à toute une série de questions. Oui, on le fait. Ah non, on n'y est pas encore. Ou on ne sait pas très bien. Et au fur et à mesure du développement de ce que l'on répond, on obtient des niveaux de progression. Alors, il y a un niveau bronze, argent et or. Ça vous rappelle quelque chose, hein, avec les skis, mais ici, c'est sans neige. C'est une manière d'encourager les paroisses à faire quelque chose. Mais c'est libre, on n'a personne qui vient contrôler si ce qu'on dit est juste ou pas. Donc, ça dépend un petit peu de l'authenticité de nos réponses. Ça, c'est la première possibilité qui est toute récente et encore en test. En France, ça s'appelle Église verte, et les paroissiens de Chambéry, avec lesquels nous sommes en relation, eux sont engagés dans ce genre de démarche. L'autre existe depuis plus longtemps, et ça s'appelle Coq Vert. Et c'est un parcours qui aboutit à une certification ISO 14001, donc avec un contrôle extérieur. Il y a à la fin quelqu'un qui vient voir si on a bien travaillé. Et là, ça touche les mêmes domaines, donc tous les domaines de la vie de l'Église, mais c'est un parcours en 10 étapes avec une exigence de planification pour aboutir en somme à une évaluation de ce qui a été fait, de ce qui est urgent à faire et de ce qu'on remet à plus tard, et on fait un plan sur 3, 4, 5 ans et on aboutit à une certification après 10 étapes. À la paroisse, nous nous sommes engagés dans ce parcours Coq Vert. Alors, on s'est engagé il y a déjà quelques temps, mais c'est évident que ça a été un peu ralenti à cause du virus, parce que, ben oui, on ne s'est pas rencontrés. Nous sommes actuellement à l'étape 3 sur 10. Il y a encore du travail. Et là, nous sommes en train de retravailler la charte pour en faire un texte beaucoup plus concis qui réaffirme nos convictions et qui dit quelles seraient nos priorités pour les années à venir. Ça devrait être sur 2 pages. Ouais, la charte, elle est grande, hein, faire sur 2 pages, ce n'est pas évident. On va en parler dans le groupe Éco-Coq Vert de la paroisse, qui se réunit à nouveau par Internet en mars, et ensuite, ça passera au conseil de paroisse. On appelle ça les lignes directrices pour la création. Et puis, si tout va bien, au printemps ou au début de l'été, on s'adjoindra une ou deux spécialistes de la paroisse ou de la région ou de l'extérieur pour faire une visite-inspection de tous nos bâtiments et de tous nos locaux pour noter sur un grand procès-verbal où y a-t-il un problème, où est-ce qu'on pourrait augmenter l'efficacité, où est-ce qu'il y a des appareils à changer, etc. Et puis ensuite, on met tout ça ensemble sur une grande page et après, on évalue qu'est-ce qu'on peut faire vite, parce que ça ne coûte pas cher, qu'est-ce qui prend plus de temps, qu'est-ce qui est beaucoup plus important, et ensuite, on fait comme ça une planification. Et ça, le processus, ce n'est pas de tout faire tout de suite, mais c'est de le faire de manière à ce que l'on voit ce qui doit être fait, ce qui peut être fait et ce qu'on renvoie à plus tard. Ça s'appelle Coq Vert. J'ai fait la formation d'accompagnateur de paroisse pour le processus Coq Vert. Ça ne veut pas dire que je sais tout, mais que je sais où il faut, comment il faut faire les démarches. Voilà 2 outils qui sont à la disposition des paroisses pour faire des choses ensemble de manière communautaire. Voilà quelques informations que je voulais vous donner. Et puis, à la fin, ce qu'on n'arrive pas à faire pour limiter notre empreinte sur la création, parce qu'il y a des choses qu'on arrivera peut-être à faire, on peut éventuellement le compenser en soutenant des projets ou des actions qui diminuent l'impact climatique à d'autres endroits dans le monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup à toi, Jacques.
Donc, sachez que la paroisse Rive Gauche, donc dans laquelle est prise maintenant Malagnou, va s'engager pour Éco-Église. On commence la démarche. Donc, vous voyez, le centre névralgique de la théologie verte, là, ce sera Malagnou, Chênes, et on espère la région Arvélac et la paroisse Rive Gauche. Et je trouve que ce qui est assez beau dans ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Que vous ayez envie d'écrire un poème sur la création, de faire un jeûne, de faire quelque chose de très spirituel, ou vous ayez envie de vous occuper des bâtiments, des choses plus concrètes. Il y a vraiment de la place pour tout le monde et je trouve que c'est des belles dynamiques qui sont en train de se mettre en place et que parfois, bien penser à l'extérieur, à la création et nous sort de nos propres guerres intestines et je trouve que c'est très sain parfois. J'en dirai pas plus. Juste vous dire que pour les annonces, il y a énormément d'annonces, énormément de choses sur le feuillet. Merci à celles qui l'ont composé. Alors, pour votre paroisse, il y a quelque chose de très important, c'est le vendredi donc 5 mars, la journée mondiale de prière. Donc, ça s'appelle plus la prière pour les femmes. Donc, tout le monde est bienvenu, bien sûr. Et c'est ce vendredi au foyer du Temple, de 12h15 à 13h30. Puis, il y a aussi les rouleaux de printemps et un culte musical, donc le 7 mars, tout un très beau programme. Et on m'a aussi dit qu'il y avait un atelier de récupération. Commence. Ce n'était pas pour annoncer aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça. Ça tombe bien parce que j'ai proposé à la paroisse de faire un atelier tous les mardis. Ça sera à la salle du foyer du temple, de 14h à 17h. Un atelier bricolage de récupération. Moi, j'aime beaucoup faire des bricolages de récupération et on a fait une crèche de Noël, comme vous avez vu, avec les bouchons. Et maintenant, il y a cet atelier qui a été accordé par le conseil et qui commence ce mardi. On est dans le cadre du Covid, donc on sera 5, donc moi plus 4. Mais ça sera chaque mardi. Donc vous avez l'opportunité de vous inscrire pour les mardis où vous êtes libre. Et venir, et puis ça sera des bricolages, on va réfléchir ensemble avec des matériels de récupération, matériels que j'ai déjà pas mal, parce que je travaille avec ça, mais je vous ferai appel pour apporter des choses. Merci. Merci beaucoup. Puis vous trouverez aussi les sites pour le Coq Vert et Éco-Église sur les annonces. Et puis je vous ai mis aussi donc des pétitions sur le climat. Il y a actuellement une pétition de Greenface qui est une pétition interreligieuse et une déclaration d'urgence climatique chrétienne. Donc si vous avez envie individuellement de les signer, n'hésitez pas. Et puis je vais vous parler aussi d'une autre pétition. Il faut juste que je l'installe. Ah voilà. Au début, je voulais pas vous en parler parce que c'est assez politique, mais enfin, je suis la représentante de Terre Nouvelle, donc voilà. Que sachez que je suis aussi là pour relayer ces initiatives. J'espère que ça choquera personne, mais si individuellement vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc à prendre un papier à la sortie. Donc, il s'agit en fait de demander à la Banque nationale suisse de désinvestir des énergies fossiles. Donc, nous exigeons que la BNS donne l'exemple et cède toutes les actions des entreprises actives dans l'extraction, le commerce et la transformation des combustibles fossiles, donc pétrole, gaz et charbon. Donc, ça, c'est un engagement, je dirais, plus citoyen que spirituel, mais voilà. Donc, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses rien qu'avec sa signature en ce moment. Et puis, à la sortie, alors vous allez retrouver la charte de justice climatique qui est au prix de 5 francs, si ça vous intéresse. Vous la trouvez aussi en ligne. Vous trouverez un livre donc, qui est vendu au prix de 24 francs. Christophe Monod et Frédéric Rognon, Église et écologie, une révolution à reculons. Alors ce livre, pourquoi je vous l'ai amené ce matin ? Alors il vient de sortir. Le 16 mars à 18h30, j'organise un Zoom dans le cadre d'un auteur, un livre avec les deux auteurs. C'est une heure de présentation de ce livre. Et ce qui vaut la peine pour vous, c'est qu'en fait, il y a tout un chapitre qui concerne Chênes.
Alors, je ne vous dis pas ce qu'on entend sur la paroisse de Chêne, hein. C'est absolument élogieux. Mais ce qui est très intéressant aussi, et c'est l'objet de ce livre, c'est qu'il montre en fait que des initiatives personnelles, individuelles, ou même au sein d'une paroisse, sont parfois bloquées au sein de l'institution parce qu'ils nomment un plafond de verre. C'est-à-dire que voilà, les gens se mettent en route, mais l'institution église ne suit pas toujours. Et c'est une analyse sociologique très intéressante, très pertinente. Il y a plusieurs auteurs. Je vous invite vraiment à le lire, ou en tout cas à le feuilleter à la sortie. Alors, à la sortie, vous trouverez également quelque chose d'assez amusant. Et puis, il y en a pas mal là-bas. Alors, il n'y a pas d'enfants ce matin, mais s'il y a des enfants ou des petits-enfants, je vous invite vraiment à le prendre. C'est complètement gratuit, c'est un cadeau de Terre Nouvelle. Et c'est ma collègue Rosemée du service enfance. On m'a glissé à l'oreille qu'elle sera aussi partenaire pour le jardin d'Éden. Rosemée qui m'a proposé cette action. Donc, c'est un petit gobelet de soupe et dedans, vous trouvez un jeu de loi, un calendrier de carême et puis un petit clic, un petit journal pour les enfants. Et donc, ce sont des animations qui vous sont proposées pour qu'en famille, pensez en fait à ce qu'est le partage et justement la solidarité avec d'autres. Donc, n'hésitez pas à le prendre et à le faire passer plus loin. Et puis, justement, alors, il y en a pour les enfants, mais il y en a aussi pour les parents. Puisque vous trouverez le calendrier de carême qui est aussi à disposition à la sortie et qui est un calendrier qui vous permet d'avoir une réflexion spirituelle chrétienne sur le monde et sur la solidarité. Donc n'hésitez pas à découvrir ce petit calendrier si vous ne le connaissez pas déjà, qui est publié chaque année. Voilà, je suis la pasteur spécialiste pour oublier l'offrande, donc aujourd'hui je ne vais pas le faire. Voilà, donc l'offrande aujourd'hui sera dédiée justement à la campagne écuménique de Carême. Donc, je vous remercie déjà par avance pour votre générosité. Et ce sera aussi une manière de donner un peu d'argent, un peu d'énergie pour soutenir les personnes qui s'engagent loin d'ici à porter nos valeurs et nos intentions spirituelles. Merci beaucoup à chacune et à chacun d'entre vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites? Je crois que je n'ai jamais fait un temps d'annonce aussi long, mais voilà. Très bien. Alors, avant le dernier morceau, et merci beaucoup à Damien de Benoît pour ces magnifiques prestations de ce matin. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci à Myriam, merci à l'équipe qui a préparé ce culte avec moi. Et puis merci d'être venu, merci pour votre présence. Et bien, avant d'entendre encore ces magnifiques musiques, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que Dieu rayonne dans vos vies comme le soleil de midi. Qu'il vous permette de fixer votre regard sur l'essentiel, en vous gardant des illusions et des dispersions. Que vos forces vives soient renouvelées chaque matin. Que le courage et la persévérance vous soient donnés pour tenir vos engagements. Et que tout votre être puisse continuer à louer le Dieu qui aujourd'hui encore vous bénit et vous donne sa paix. Amen.